une île si proche et si loin à la fois. Il fallait parfois plusieurs jours pour rejoindre Curaçao depuis la Guadeloupe, alors que moins de 1000 km les séparent. Mais ça, c'était avant. Trois compagnies aériennes se sont alliées pour faciliter le transport entre les îles de la Caraïbe. Le vrai problème de communication, c'est-à-dire des lignes sur le bassin caribéen entre les différentes dessertes, c'est le fait que souvent il fallait au moins passer une nuit dans une île pour changer d'avion le lendemain pour aller vers une autre île. Quand vous aviez acheté un billet Air Antilles plus un billet Winair plus un billet Iliad pour aller sur une destination, vous avez payé trois billets aller-retour. La mise en commun de notre réseau, c'est de permettre qu'on ait un seul billet qui permettent à des prix abordables de faire d'un point à l'autre par des correspondances organisées. Un ticket unique pour voyager au sein de la Caraïbe. Du temps de gagner pour les voyageurs, mais surtout une véritable opportunité de développement pour les îles. Nous pensons que c'est une initiative très intéressante. Nous approuvons cette initiative. C'est un bon développement pour la connexion entre les îles. Et nous allons tout faire pour faire de cette initiative un succès. Curaçao pourrait bien devenir une nouvelle destination touristique à la mode. À seulement 2h30 de Pointe-à-Pitre.